Bonjour, bienvenue sur Mélissa et Mélina Crochet. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser un tapis rang et surtout très facile à faire avec une nouvelle méthode et deux astuces. Alors, la première, c'est de fermer votre rang sans maille coulée. On n'aura pas la trace de la maille coulée. Et la deuxième astuce, c'est de travailler sans compter. Et ça, c'est la bête noire en général des crocheteuses et en particulier des débutantes. On peut utiliser cette méthode pour faire des tapis, aussi des sets de table, des dessous de verre. Et j'ai fait un de mes macarons, mes sacs macarons avec cette méthode. Je vais vous donner aussi trois fils, trois genres de fils pour faire ce tapis. Alors, c'est des fils qui sont légers, épais et légers, idéal pour des tapis. Mon premier fil, alors c'est le jumbo coton. Le jumbo coton, je vais vous le montrer, je l'ai ici, j'ai pas tous les fils. Alors, on le voit, c'est un fil épais et plat et très très léger. La pelote pèse 250 grammes et elle contient 150 mètres. Il nous faut 4 pelotes pour faire un tapis de 1 mètre. Mon tapis, lui, il mesure 1 mètre. Il est fait avec du cordon. Il mesure 1 mètre et je vais vous donner en métrage car le métrage change tout. Si je vous donne en poids, la pelote peut changer, elle peut être très lourde, alors moins de métrage. Comme elle peut être très légère et plus de métrage. Alors, pour le jumbo coton, il nous faut 4 pelotes. Il fait 150 mètres et mon tapis fait 585 mètres. 4 pelotes, ça va nous suffire. Le deuxième, c'est le tube viscose. Alors, c'est un cordon. La pelote pèse 100 grammes, 150 mètres aussi. 4 pelotes du tube viscose. Toujours pour une mesure, pour un tapis d'un mètre. Hein. Le tube coton, je ne l'ai pas, mais la pelote pèse 50 grammes, 55 mètres. Elle est petite et le métrage est petit aussi, 55 mètres. Il nous faut 11 pelotes. Tout ça, je vais le mettre dans la barre d'infos. Tous les détails avec le lien vers le site. Vous pouvez aussi le faire avec du trapillo. Alors, c'est 90% coton et 10% polyester. Là, il nous faut quand même 4 à presque 5 bobines car le métrage n'est pas vraiment important. Et alors, c'est entre 120 et 120 mètres. 120 et 130 mètres, pardon. Il nous faut 4 bobines. La bobine, elle pèse entre 650 et 750. Aujourd'hui, je vais travailler avec le cordon, le tube viscose. 4 pelotes pour un tapis d'un mètre. Alors, je vais utiliser un crochet 7. Travailler avec un crochet adapté à votre fil. Sur l'étiquette, je crois que c'est entre 6, un crochet 6. Ou 7. Si vous travaillez lâche, vous pouvez travailler avec du 6, même aller jusqu'à 5. Car quand on lâche beaucoup, c'est pas intéressant pour un tapis. Si vous travaillez serré, prenez un crochet 7 ou bien suivez les instructions de l'étiquette. On commence par faire un cercle magique. Si
Le cercle magique est difficile pour vous, vous êtes débutante, remplacez-le avec 4 mailles en l'air. Je passe mon crochet, je ramène le fil et ma première boucle, ma deuxième et ma troisième. Ils vont remplacer ma première bride. Dans le cercle, je rajoute 11 brides. Alors, un jeté, je passe dans le cercle, je ramène le fil. Un jeté, je passe à travers deux boucles, un jeté à travers les deux restantes. Ça, c'est une bride et on va faire 11 fois. On va la faire 11 fois. Et je compte les trois premières mailles, ça me fait 12. Alors, je suis 1, 2, c'est ma troisième. Quatre, cinq, je tire sur le fil pour être à l'aise, je réduis un petit peu mon espace et je continue jusqu'à faire en tout 11 plus les trois mailles en l'air, ça me fait 12 brides. Oups, ça glisse. J'ai fait mes 12 brides. Alors, on va les compter ensemble. 1, on la compte comme une bride. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Je réduis un petit peu mon cercle magique. Et je viens ouvrir ma boucle. On va fermer, mais sans la maille coulée. Je laisse les trois mailles en l'air, je ne les touche pas. Je viens sur ma première bride, sous les deux brins, je vais par derrière de cette manière. Je prends ma boucle et je la glisse vers l'arrière. Comme ça. Je tire sur la boucle. Maintenant, je la prends et je fais glisser mon cercle à l'intérieur. Comme ça. Et je commence à tirer sur le fil pour le fermer. Et là, on vient de créer une nouvelle maille. Je la range. On a sauté les trois mailles en l'air, mais on les a remplacées avec une nouvelle maille. Si je viens maintenant, je suis là, si je viens et je compte, je vais la considérer comme ma première maille. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. On était là. Cette nouvelle maille. Alors, les autres mailles, on les voit les deux brins. Ils sont en haut. Quand on voit comme ça, ils sont vers le haut. La nouvelle maille, les deux brins, ils sont vers vous, vers l'avant. Ils sont là. On a terminé notre premier rang, on continue à serrer notre cercle et on commence notre deuxième rang. Mon deuxième rang. Alors, je ne vais pas toucher cette nouvelle maille. On va travailler ici sur la prochaine. On va faire un jeté, suivez avec moi. Ça, c'est la première astuce, comment fermer et comment commencer. Je pique, on prend le fil et je pique sous les deux brins de la suivante. Je ramène le fil, on a deux brins. Et là, je fais une maille serrée. Plus une maille et
elle va remplacer ma première bride. Sans faire les trois mailles en l'air. Un jeté sous le même point, on va commencer des augmentations. Sous le même point, je vais rajouter une deuxième bride. Là, le début, plutôt cette méthode, comment commencer avec une maille serrée, une maille en l'air, c'est juste pour le début de chaque rang. On va travailler avec des brides maintenant simples. Un jeté sur la suivante, je vais faire une augmentation. Deux brides sous le même point. Une, et je reviens sous le même point, je rajoute une deuxième. Ça me fait deux. La suivante, deux brides. Une, je reviens, une deuxième. Et sur chaque maille, on va faire deux brides. Jusqu'à la fin. On aura en tout, quand on termine le tour, on aura 24 brides. Je suis vers la fin. J'ai fait en tout 22 brides. Il me reste la dernière maille pour compléter les 24. Alors, un jeté, je vous ai dit que la maille qu'on vient de créer dans le premier rang, les deux brins sont vers l'avant. Alors, ils sont là, on les voit bien. Il ne faut pas piquer sous les brins car on va se retrouver entre deux brides. Il faut piquer de cette manière, verticalement, sous ces deux brins. On termine la dernière augmentation. Un jeté, je viens et je pique. Et je fais une bride, un jeté, je reviens sous le même point, sous les deux brins, et je fais ma deuxième bride. On a terminé notre rang, 24 brides en tout. J'ouvre ma boucle de la même façon comme on a travaillé, on a fermé le premier rang. Je ne vais pas travailler sur la première, on a fait une maille serrée, une maille en l'air. On va pas la toucher, on va sur la prochaine. Je passe mon crochet par derrière. Je prends la boucle et je la glisse vers l'arrière. Je tire, j'élargis un petit peu ma boucle et je prends mon cercle. Je le fais passer dans cette boucle, comme ça. Je tire sur le fil pour le serrer. En même temps, on a une nouvelle maille. On arrange doucement pour qu'elle soit belle, comme ça. Et on a notre dernière bride, elle est là. Et à côté, la nouvelle maille. Je vous ai dit, les deux brins, ils sont vers l'avant. On les voit là. Ils sont là. On a terminé notre deuxième rang. Mon troisième rang. Je ne vais pas toucher la nouvelle maille. Je vais travailler sur la prochaine. Un jeté. Je passe sous les deux brins de la prochaine et je fais une maille serrée plus une maille. Ma première bride. Là, on va suivre le même principe que le cercle plat, sauf que ça va être encore plus facile. Un jeté sur la prochaine, je vais faire une augmentation. Une. Et je reviens sous le même point, je rajoute une deuxième bride. On a une bride, une augmentation. À côté, une bride individuelle. À côté, une augmentation. Et ça sera ça, le troisième rang. Une bride individuelle. Et à côté, une augmentation. Deux brides sous le même point.
Ici, je reviens et je fais ma deuxième bride. Une bride, une augmentation. Une bride individuelle, une augmentation jusqu'à la fin. Je suis vers la fin et la dernière maille, ça sera une augmentation. Alors, c'est les deux, c'est la nouvelle maille avec les deux brins vers l'avant. Je pique sous les deux brins et je fais une augmentation. Deux brides sous le même point. Je viens, je refais une deuxième. On va terminer avec une augmentation. Et on aura en tout 36 brides. La même chose, j'ouvre un petit peu ma boucle. Je ne touche pas à la première, je vais sur la prochaine bride. Je pique par derrière. Je prends mon fil et je le glisse vers l'arrière. Maintenant, j'ouvre bien ma boucle. Et je prends mon cercle, je le glisse dans cette boucle. Je le passe à travers cette boucle. Et je tire sur le fil. Et maintenant, on a une nouvelle maille. On a supprimé une, mais on a créé une nouvelle. J'arrange pour qu'elle soit belle. Et voilà, mon troisième rang, 36 brides en tout. Mon quatrième rang, ce sera la même chose. Je ne touche pas à la nouvelle maille, je prends mon fil, un jeté, je vais sur la prochaine. Je pique, je ramène le fil, un jeté, je fais une maille serrée, plus une maille, ma première bride. On sait que dans le principe du cercle plat, on va augmenter à chaque fois le nombre de brides individuelles. Dans le troisième rang, on a fait une bride individuelle, une augmentation. Dans le quatrième, on va faire deux brides individuelles, une augmentation. Ou bien, la deuxième astuce, on va faire des brides individuelles jusqu'à terminer. Alors, on sait que l'augmentation représente un V jusqu'à dépasser le V. Vous allez me comprendre. Deux brides individuelles, une augmentation pour le quatrième rang. Sur la prochaine, une bride individuelle. On a deux brides individuelles. À côté, je vais faire mon augmentation. Et si on voit bien, on va remarquer que après chaque augmentation du rang précédent ou bien chaque V du rang précédent, on va faire un autre V sur le prochain. Ça veut dire il faut qu'on dépasse le V. Sur la prochaine, il y aura un autre V. C'est-à-dire l'augmentation vient toujours sur la prochaine maille du rang précédent qui vient après le V. On va travailler, vous allez comprendre. Deux brides individuelles. Une à côté, une deuxième. Sur la prochaine, une augmentation. Une sous le même point. Une deuxième. Deux brides individuelles, une augmentation. Si on remarque, c'est après chaque augmentation du rang précédent, on a une augmentation sur la maille suivante. On voit sur l'augmentation, on a fait des brides individuelles. Juste après, quand on la dépasse, sur la prochaine, c'est là, on va piquer, on va faire notre augmentation. C'est pour ça que je vous ai dit, une deuxième astuce,
sans compter les mailles. Vous pouvez compter chaque rang, on va augmenter le nombre de brides individuelles. Là, j'ai fait une bride individuelle, une augmentation. Là, c'est deux brides individuelles, une augmentation. Après, ça sera trois brides individuelles, une augmentation. Ou bien, sur après chaque augmentation du rang précédent, on va faire une augmentation sur le prochain. On continue. Deux brides individuelles, une à côté, une deuxième, et après une augmentation. On voit que l'augmentation vient sur la maille du rang précédent qui est après notre augmentation. On continue. Deux brides individuelles, une augmentation. Deux brides individuelles, une augmentation. Je suis à la fin du quatrième rang. On termine ensemble la dernière augmentation. J'ai fait deux brides individuelles. Et là, c'est la nouvelle maille. Je passe sous les deux brins et je fais ma dernière augmentation. Une première, je rajoute la deuxième. Et on a terminé notre quatrième rang avec 48 brides. J'ouvre un petit peu ma boucle. Je ne touche pas à la première, je vais sur la deuxième. Et je ramène mon fil. Je tire sur la boucle pour l'ouvrir et je passe mon cercle dans cette boucle. Comme ça. Je tire maintenant sur le fil pour arranger ma nouvelle maille. Voilà. Et on a terminé notre quatrième rang. On voit pas du tout la trace de la maille coulée. Mon cinquième rang. La même chose, un jeté. Je ne touche pas à la nouvelle maille. Je vais sur la suivante. Je pique, je ramène le fil et je fais une maille serrée. Une maille en l'air. Et là, j'ai ma première bride. Dans le cinquième rang, on va faire trois brides individuelles. Une augmentation. Et si vous n'aimez pas compter, on va juste faire des brides individuelles jusqu'à dépasser l'augmentation, le V, on le voit bien. Après chaque V, c'est là où on va faire l'augmentation. Alors, une, deux et trois. Si on compte, on a trois brides individuelles dans ce rang. Après l'augmentation, juste après, ici, on va faire une augmentation. Car quand le tapis va devenir grand, le mien, j'ai atteint les 100 cm, ça va être vraiment, vraiment embêtant de compter, car on va se retrouver avec 15 brides individuelle, une augmentation. Mais si je ne compte pas, à chaque fois que je dépasse le V, je fais une augmentation. Vous allez comprendre. On va faire plusieurs rangs, comme ça vous allez bien assimiler cette méthode. Alors, trois brides individuelles, si on compte. 2 et 3. On a trois brides. Là, je vais faire l'augmentation et je vois que je suis après l'augmentation du rang précédent. Une augmentation. Je reviens, je fais ma deuxième. Je reprends trois brides individuelles. Une. 2 et 3. Et là, je fais une augmentation.
Et ça sera ça, notre cinquième rang. L'augmentation vient sur la maille qui vient après l'augmentation du rang précédent. Je termine la dernière augmentation du cinquième rang avec vous. Alors, un jeté, je vous ai dit, on passe sous les deux brins, hissant vers l'avant. On les voit un jeté. Je viens là, on les voit les deux brins, je passe et je fais ma dernière augmentation. Une, je reviens sous le même point, je rajoute une deuxième. Et on a terminé notre cinquième rang. J'ouvre ma boucle. Je prends mon crochet. On touche pas à la première, on va directement sur la prochaine et je ramène ma boucle. Je l'ouvre à nouveau et je fais passer mon cercle dans cette boucle, comme ça. Et je tire. On va rapprocher maintenant un petit peu. Je tire pour former une nouvelle boucle ou bien une nouvelle maille. Voilà. On a terminé notre cinquième rang et on a en tout dans le cinquième rang 60 brides. Mon sixième rang, un jeté. On touche pas la nouvelle, on touche pas à la nouvelle maille. On vient sur la prochaine. Je pique. Je ramène le fil. Une maille serrée, une maille en l'air. Ma première boucle. Dans le cinquième rang, on a fait 3 brides individuelles, une augmentation. Dans le sixième, on va faire 4 brides individuelles, une augmentation. À chaque fois, on augmente le nombre des brides individuelles. On va faire 4. Si on n'aime pas compter, on va travailler en bride individuelle jusqu'à dépasser notre augmentation. Quand on va la dépasser, sur la prochaine, là, on va faire notre augmentation. Je commence. Celle-là, c'est ma deuxième. 1, 2. À côté, 3. À côté, 4. Chaque rang, on va augmenter le nombre de brides individuelles. Sur la prochaine, une augmentation. 2 brides sous le même point. Et on va voir que, à chaque fois qu'on dépasse l'augmentation du rang précédent, sur la prochaine maille, on va faire une nouvelle augmentation. On continue. On continue à travailler avec des brides individuelles. On a 4. Et quand on dépasse l'augmentation, c'est là où on va faire notre augmentation. 2. 3. Et 4. Augmentation. Et ça sera ça, le sixième rang. 4 brides individuelles, une augmentation. Et si on n'aime pas compter, je le répète, après chaque augmentation du rang précédent, c'est là où on va faire notre nouvelle augmentation. Je suis vers la fin, j'ai terminé mes 4 brides individuelles. Je vais faire l'augmentation. Et là, sur les deux brins de la nouvelle maille, ils sont vers l'avant. Je pique. 1 et 2. Je ramène le fil, je fais ma première bride, un jeté, je reviens sous le même point, je termine ma deuxième. Et on a terminé notre sixième rang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sixième rang, on aura 70 mailles en l'air. 72, pardon. 72 brides en tout. Je tire sur ma boucle
comme on a fait dans les autres rangs. Je passe mon crochet, j'oublie la première ou bien je l'ignore, je vais sur la deuxième, je passe mon crochet sous les deux brins, je prends ma boucle, je la glisse vers l'arrière et je l'ouvre pour pouvoir passer mon cercle. Et je tire maintenant sur le fil pour former la nouvelle maille. On la range doucement pour qu'elle soit belle. Et on vient de terminer notre sixième rang. Pour mes prochains rangs, on va laisser la nouvelle maille, on va travailler directement sur la suivante. On va prendre le fil et passer sur la suivante et faire comme on a fait une maille serrée plus une maille. Et j'ai une nouvelle bride. Si on est sur le septième rang, ça va être 5 brides individuelles, une augmentation. Ou bien tout simplement, et ça sera la même chose pour les autres rangs, on va travailler en bride individuelle jusqu'à ce qu'on dépasse l'augmentation. On la voit, l'augmentation c'est 2 brides sous le même point. On va faire des brides individuelles et là, après l'augmentation, on va faire une augmentation. Et si on compte, l'augmentation sera là, si on compte nos brides, 1, 2, 3, 4, 5. On aura ici l'augmentation. Pour le rang prochain, ce sera la même chose. Des brides individuelles sur chaque maille jusqu'à ce qu'on dépasse l'augmentation. Quand on la dépasse, on fait ici l'augmentation. Si on décide de ne pas compter. Disons que on a terminé notre tapis. Maintenant, je vais vous montrer comment fermer et faire rentrer le fil. Alors, disons qu'on a terminé notre tapis, on veut couper le fil et le cacher. Là déjà, c'est comme si on a fait un nœud. On fait quoi? On vient juste couper le fil. Déjà, il y a un nœud, ça ne risque pas de s'ouvrir. Je tourne mon travail. On voit la trace de la maille coulée, elle est par derrière. On ne la voit pas ici. On ne trouve pas la trace du tout de la maille coulée. C'est magnifique, c'est agréable. Je tourne maintenant mon travail. J'ai mon fil. On va juste le cacher. Je passe sous mes brides et je le cache. Je le ramène. Si on n'arrive pas avec le même crochet, travaillez avec un crochet moins gros. Comme ça, vous allez pouvoir glisser votre fil sous les brides pour le cacher. On va passer et le faire rentrer partout jusqu'à le cacher entièrement. On cache aussi celui-là, celui du cercle magique. On glisse sous les brides et on le ramène jusqu'à le cacher. C'est bien de le cacher entièrement. On a terminé pour aujourd'hui. Voilà les deux astuces, comment fermer et comment travailler sans compter. Et le tapis sera bien rond et bien plat. Il va ni se retourner ni gondoler. Je vous dis à très bientôt avec un nouveau tuto. Bye !